Bonne question. Bah, on va dire qu'il y a eu un... On a mal préparé le match, je pense qu'on les a pris un peu de, haut. On s'est dit, on savait pourtant que c'était jamais facile de jouer contre une Pro B, surtout dans ces circonstances-là. Les Coupes de France, il y a toujours des surprises. On savait, mais après, on n'a pas agi en conséquence sur le terrain, je dirais ça comme ça. Donc voilà, après, on leur a donné de la confiance. Nous, on n'était pas du tout dans le rythme. On a essayé, on s'est forcé, mais c'est jamais arrivé. Donc eux, ils avaient déjà la confiance. Après, bon, c'était compliqué jusqu'à la fin du match, quoi. Ah ouais, c'est clair. Surtout de cette manière-là, et surtout que voilà, ils nous ont pas fait quelque chose d'exceptionnel non plus. Et nous, on n'a pas réagi. Donc ouais, un peu un peu frustré de sortir comme ça, sachant que voilà, on avait quand même envie de jouer la Coupe de France, quoi. Ça va être compliqué aussi, hein. Donc je pense qu'on va faire, on va bien préparer le premier match. Enfin, Paris, on a joué Paris il n'y a pas longtemps. Ça s'est joué encore à quelques paniers à la fin du match. Donc là, pareil, je pense qu'il va falloir bien préparer et voilà, histoire de pas finir sur des déceptions en Coupe de France et en Leaders Cup. Ah oui, je pense que tout le monde est motivé pour la gagner. Ce serait une bonne récompense des efforts qui ont été faits tout au long de la saison. Donc non, c'est clair qu'on va jouer pour la gagner. Non, bah, une bonne réaction de l'équipe, on se l'était dit dans les vestiaires. Il fallait pas qu'on soit satisfait. Enfin, on était un peu déçus de la performance qu'on avait fait à Denain. Donc après, tout le monde a bien réagi sur le terrain. On a retrouvé un peu du rythme, on a retrouvé un peu nos qualités d'avant la trêve. Et non, après, je pense que tout le monde a pris conscience qu'on ne devait pas rester sur le point négatif qu'on avait fait à Denain et qu'il fallait réagir, même pour la suite de la saison après. Bah oui, c'est clair que ça va être un autre match, ils sont dans une bonne dynamique. Donc voilà, nous aussi on est prêts, on sait que ça va pas être un match facile. Donc de toute façon, je pense que toute la phase retour, elle va être complètement différente par rapport à toutes les équipes qu'on va rejouer, ça va être complètement différent. Donc de toutes les manières, il va pas falloir rester sur les victoires qu'on a acquises au début et voilà, juste s'adapter par rapport à tous ces changements. Bah, on a deux styles de jeu complètement différents. Je dirais qu'avec Gravelines, ça passe ou ça casse. Donc là, toute la semaine, on va travailler pour faire en sorte que, on va dire, leur jeu ne prenne pas le dessus. Après, nous, c'est clair qu'il va falloir s'imposer d'entrée de jeu. Pas leur laisser la confiance, sinon ça va être compliqué. Et voilà, c'est tout. C'est pas tout. Yeah.